فما أمسين الاثنين بالدار البيضاء التقديم الرسمي لمشروع المدرسة المركزية للدار البيضاء، والتي تعد ثمرة شراكة متجددة بين المدرسة المركزية بباريس والحكومة المغربية. وجاءت فكرة إنشاء المدرسة المركزية بالدار البيضاء إسهاما في دعم مخطط التنمية الصناعية بالمغرب للفترة الممتدة بين 2014 و2020، وجعل الجامعة المغربية تتبوأ مكانة مرموقة بين الجامعات الدولية. La rencontre d'aujourd'hui pour les gens intéressés par l'école centrale de Casablanca, il faut savoir que Sa Majesté a lancé le projet avec le président Hollande en 2013 et nous avons souhaité réunir à la fois la famille des centraliens, il y a 500 centraliens au Maroc, et l'ensemble des opérateurs économiques concernés par le sujet des ingénieurs de grande qualité au Maroc pour partager avec eux l'état d'évolution des travaux, comment cette école va fonctionner et leur ouvrir la porte de façon à ce qu'ils fassent de cette école leur école. Et nous avons eu un retour extrêmement intéressant avec des gens motivés à accompagner cette école. C'est l'objectif, je pense qu'il est atteint. Alhamdulillah, nous sommes dans les jamiat al-marmouqa al-amien وهذه الاتفاقية مع المدرسة المركزية بباريس ستعطي دفعة جديدة للتكوين وكذلك للبحث العلمي، ولي اليقين أن المغرب سيجني ثمار إن شاء الله التعاون خلال السنوات المقبلة. المدرسة المركزية للدار البيضاء الأولى إفريقيا والثالثة على المستوى العالمي ستستقبل الفوج الأول من طلابها ابتداء من شهر شتنبر 2015. Aujourd'hui, nous sommes prêts à accueillir en septembre 2015 la première promotion des centraliens, qui est donc le fruit, la nouvelle fondation Centrale Casablanca est le fruit d'une joint venture entre Centrale Paris et le gouvernement marocain et ses trois ministères qui vont nous accompagner pour créer des diplômes marocains. La réputation d'excellence de l'école soit établie et donc que les élèves que nous recrutons soient au même niveau que ceux que nous avons le bonheur de recruter à Centrale Paris, ça c'est le premier élément. Le deuxième à mon avis c'est qu'on ait la confiance des entreprises, mais il y a beaucoup de savoir-faire et beaucoup de volonté. الشركاء والفرقاء الاقتصاديون بالمغرب ثمنوا من جهتهم تأسيس فرع لهذه المدرسة العالمية بالدار البيضاء، كما عبروا عن فخرهم بهذا الصرح التعليمي العالمي. هذا افتخار كبير، افتخار لنا احنا كمغاربة وافتخار المغرب en tant que pays. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le nombre de centraliens au Maroc sont très nombreux. Comme a dit tout à l'heure le directeur de l'école centrale, 17% des étudiants sont des Marocains à l'école centrale de Paris. Et aujourd'hui, ramener cette école ici à Casablanca, c'est vraiment une vraie fierté pour nous en tant qu'ingénieurs, en tant que Marocains. تشييد هذه المدرسة المركزية بالدار البيضاء هو ثمرة شراكة بين الحكومتين الفرنسية والمغربية، والتي أبرمت في شهر أبريل 2013 بحضور الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند. ومن المرتقب أن تكون المدرسة المركزية بالدار البيضاء قطبا لالتقاء المواهب والكفاءات الإفريقية والاطلاع بدور فاعل في بناء إفريقيا الغد. dans un but de personnalisation des parcours.